sous l'autorité de Monsieur le Commissaire. Nous avons évidemment posé un certain nombre de questions sur ces différents secteurs. Et il y a une accélération très forte des marchés. Il y avait beaucoup de marchés qui étaient en attente. Il fallait passer des marchés pour du matériel, pour le dopage. Bref, ces marchés, aujourd'hui, ils sont pratiquement tous passés. Et donc ça, c'est plutôt rassurant parce que maintenant, la Confédération africaine de handball a programmé le championnat d'Afrique dans la même période que les Jeux méditerranéens. C'est ce qui est scandaleux. Je vous le dis tel que je le pense. Le calendrier de ces Jeux, il est connu depuis des années. Et quand on organise des Jeux méditerranéens ou des Jeux olympiques, ou des Jeux organisés par les comités olympiques, on doit tenir compte, quand on est une fédération continentale, on doit tenir compte de ce calendrier pour éviter qu'il y ait une superposition des compétitions. Donc, avec le président du CIGM, on en a parlé la semaine dernière, on a eu une réunion là-dessus.